Hey yo les gars, c'est Melo, je sur une nouvelle vidéo comme d'habitude. Ah celle-là, franchement, je vous dis honnêtement, j'ai du très très lourd dans la vidéo les gars. Bon, il y a certaines informations entre guillemets qu'il va falloir prendre avec des pincettes qui ne sont pas vraies. Je tiens à dire aussi que ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'un américain qui, à mon avis, doit être en contact avec quelqu'un de chez Epic Games ou quelque chose comme ça. Vous avez dû en entendre parler sur beaucoup de chaînes. Jack Benef en a fait une vidéo, Agent Lopez, je pense que Nextase et LEN vont en faire une ce soir. Honnêtement, on a du très lourd pour la saison 3 qui va arriver. Si c'est vraiment ça, je vais vous dire mon avis et tout. J'ai franchement hâte. Donc, du coup, les gars, on a eu des infos, mais genre, c'est même pas. Tu veux pas y croire. Donc, en fait, c'est des informations qui ont été partagées et on pense que c'est vrai car celui qui les a partagées avait déjà leak. Qu'on aurait sur le chapitre 2 la pêche, la nage, et que les serveurs fin saison 10 seraient fermés, donc le trou noir. Donc c'est bien, toutes ces choses ont été réalisées, ont été faites. Et du coup, on a du très très lourd qui vient de sortir, les gars. On va commencer par l'agence. Alors, l'agence, on sait déjà, mais elle va être changée en nombre. Ça, c'est pas vraiment un leak parce qu'on pense que ça arrive dans la prochaine mise à jour demain ou après-demain. Je vais voir, on verra plutôt. Deuxième leak les gars, tout simplement, bah, l'agence a priori ne sera plus là, ce sera une plaza, donc un centre, bah, une place tout simplement. Où sur cette place les gars on pourra changer de skin. En gros là vous voyez je suis avec Astro Jack. Je vais en partie, on aura des cabines téléphoniques bleues, puis rouges. Tu vas dans la cabine et tu peux aller, tu peux ressortir de la cabine en admettons en marshmallow. C'est trop bien, c'est incroyable. Même des défis de skin ou des trucs comme ça, par exemple, faut prendre tel et tel skin, faire c'est trop stylé, je trouve. Franchement, ça a l'air d'être oufissime. Deuxième truc, mais ça vous allez câbler, les gars. Ça vous allez câbler, on va avoir un prochain véhicule à ce qui paraît. Et le prochain véhicule sera un requin. On pourra ride sur un requin. C'est hashtag Fortnite part en cacahuète. Non, vraiment, on pourra ride sur un requin, c'est incroyable. Pareil les gars, ce qui paraît, il y a une coïncidence avec quand on va dans Deadpool, les gars, on peut voir que c'est sous l'eau. Et bah a priori la carte va être de plus en plus sur le thème de l'eau. En fait la saison 3 serait sur le thème de l'eau à peu près. Et on aurait plus d'eau sur la carte, donc ça c'est possible. Et en parlant d'eau, c'est un rapport aussi les gars. Le skin secret des 7 semaines, donc là on avait eu Deadpool, à ce qui paraît ce serait Aquaman. Aquaman, mais bordel de merde, Aquaman, les gars. Aquaman, c'est trop stylé. Si c'est vraiment Aquaman, franchement, ça peut être méga classe. Imaginez juste des skins dans la boutique comme ils ont fait avec Deadpool, avec Corbeau Poule et puis Calin Poule en version Aquaman. Mais ça peut être une grosse dinguerie. Pareil, il a leaké aussi que le skin palier 100. Bah, pas leaké, non, je dis n'importe quoi. À ce qui paraît, le skin palier 100, les gars, serait le chevalier noir version féminin. Donc vraiment chevalier noir, pas comme ça, version féminin. Donc moi je pensais que ce serait c'était la chevaleresse rouge là, le skin féminin du chevalier noir, mais pas du tout en fait. Donc après, à voir. Mais pas mal de trucs comme ça ont été leakés, c'est pareil. J'ai pas envie de tout vous spoil. Pareil les gars aussi, à ce qui paraît. On aurait Meowth Clay qui lui serait arrivé un accident ou quelque chose comme ça. Et on le verrait sur une forme robotique. Donc imaginez Sentinelle avec la tête. Attendez, il est où? Avec la tête de Meowth Clay. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être n'importe quoi et. En vrai, il va falloir voir, mais la saison a l'air what the fuck. Regardez les gars. Sentinelle avec la tête de Meowth Clay. Enfin, comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Pareil aussi, à ce qui paraît, on aurait une version féminine du voyageur noir, donc saison 3. Mais version féminine, j'ai compris, noir et violette. Donc noir et violette, il y a un peu de noir et violet, ça peut être franchement très stylé. Après, à voir ce qu'il peut faire, parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de possibilités, mais voilà, du coup. Du coup, les gars, c'était une petite vidéo rumeur, c'est la fin de cette vidéo. C'était Melo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao!